Ici TV du peuple, RD Congo, bonjour chers compatriotes, bonjour, bonsoir, moyen bonso, mbotenabino bandeko, mbotenabino banso, hamjambo, asikilizi, wapenzi, walugala kiswahili, mbotenabino bampangi. Voilà, c'est juste un breaking news, un flash, pour recadrer le cardinal Fridolin en bongo. Il est contre la peine de mort et il dit que ceux qui sont au pouvoir, c'est eux les traîtres. Donc, il faut tirer la conclusion que comme c'est les traîtres qu'il faut condamner à mort, alors il faut condamner à mort tous ceux qui sont actuellement au pouvoir. Il a dit, c'est eux les traîtres. Bon, je ne sais pas ce que la justice va en penser, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Suivons un peu le média qui nous rapporte cette information. Bonsoir, chers compatriotes. Voilà, c'est juste un flash informatif, un breaking news, comme on dit. Voilà. La levée du moratoire sur la peine de mort, vraiment, ça fait couler beaucoup d'encre. Hein? Alors, la sortie du cardinal Fridolin en bongo, vraiment, étonne. Pour lui, les traîtres, c'est ceux-là qui sont au pouvoir. Qui sont au pouvoir? Il y a le président de la République, le premier ministre et tous les autres ministres. Et qu'on sort ceux qui ont les autres pouvoirs, hein, donc le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. La peine de mort, ça les concerne, donc c'est eux qu'il faut condamner à mort, d'après le cardinal Fridolin en bongo. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Alors, qui nous livre cette information, c'est le magazine en ligne foxtime.cd. Les grands traîtres à la patrie sont ceux qui sont au pouvoir en RDC. Cardinal Fridolin en bongo. Le voilà, vous pouvez voir sa photo. Il est là. Je m'écarte un peu. Ouais. Voilà. C'est lui-là, le cardinal. La photo nous livrée par foxtime.cd. Alors, nous allons lire l'information. Alors que les réactions fusent de partout depuis que le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, le cardinal Fridolin Ambongo a déclaré que cette mesure en principe concerne les autorités congolaises qui sont actuellement au pouvoir, car ce sont eux qui agissent comme des traîtres à la patrie, selon lui. Ce n'est pas de la comédie ni du théâtre, chers compatriotes. C'est très sérieux, c'est très sérieux de la part de ce prélat qui est toujours contre le régime depuis que le régime est là. On pensait qu'il aurait mis de l'eau dans son vin, mais voilà, il revient à l'attaque. L'archevêque de Kinshasa a laissé entendre que cette restauration de la peine de mort concerne en réalité les membres du gouvernement congolais, car ils ont trahi le peuple en refusant de faire la volonté du peuple. Bon, pour lui, la volonté du peuple, c'est quoi? Bon, c'est à lui de
s'expliquer. Par contre, je pense que lui aussi, il a trahi en leur reproche beaucoup de choses, comme les écoles fictives, comme le rançonnement des élèves en leur faisant payer 100 dollars par élève. Et voilà, on lui reproche beaucoup de choses qui peuvent le considérer aussi comme étant un traître aussi. Quand je prends la réalité de chez nous au Congo, les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple. Mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. A déclaré le prélat catholique ce dimanche 17 mars 2024. Aujourd'hui, lors d'une interview accordée par une radio étrangère. Toujours ces radios étrangères. La Radio France Internationale, je pense. Et d'ajouter, c'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle mesure, une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres, a-t-il dit. Dans le même ordre d'idées, signalons que plusieurs politiques déplorent cette décision du gouvernement congolais sur la levée du moratoire de peine de mort, notamment Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et candidat président de la République en 2023, qui qualifie l'application de la peine de mort d'une décision inconstitutionnelle et qui illustre une dérive autoritaire et un recul inquiétant du système de protection nationale des droits humains. Chers compatriotes, Denis Mukwege n'est pas représentatif. Il a prouvé aux élections. Il représente quoi? Il a eu 1%, 2%. Je me souviens plus très bien, mais c'est dans cet ordre-là. Il ne représente absolument rien. Chers compatriotes, et c'est les ennemis de la République qui vocifèrent contre cette mesure. Eh bien, moi, je dis que cette mesure, c'est une mesure salutaire. Il était plus que temps que ce moratoire soit levé, chers compatriotes, de façon à punir les traîtres qui font que cette guerre dure depuis 30 ans ou plus, chers compatriotes. Voilà. Il a tort, il a tort. Voilà notre façon de voir. Eh bien, là-dessus, parlons un peu des États-Unis. Chers compatriotes, la peine de mort est pratiquée aux États-Unis. Est-ce que c'est pour cela qu'on dit qu'il y a recul de la démocratie aux États-Unis? Ils pratiquent la peine de mort. Ils sont toujours la première puissance économique et militaire jusqu'à présent. Et ils sont réputés être la plus grande démocratie au monde, ou la première démocratie au monde. Voilà. Donc nous pouvons considérer, moi, je considère les propos du cardinal Fridolin en Bongo comme une vox clamantis in deserto. Donc, il parle pour se faire plaisir ou exprimer sa haine envers le régime. Il n'aime pas le régime. Il a toujours marché avec ceux qui sont recherchés maintenant. La famille Kabila, Olive Lembe, Joseph Kabila, à Kinga Kati, où il allait tout le temps.
Et voilà, cette personne-là qui marche avec des traîtres, des destructeurs de ce pays, il peut être aussi catalogué comme étant complice de ces gens-là et passible aussi de la peine de mort, hein, si on y regarde bien. Voilà, chers compatriotes, c'était notre coup de gueule, hein, contre les propos de Fridolin Ambongo. Alors qu'il aille se faire voir au diable Vauvert, voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci Rwanda, Kudutumi Yambole.